Saviez-vous qu'en 1930, Peugeot présentait son premier moulin électrique, qu'en 1995, c'était au tour de la 106 de passer à l'électrique, et 2 ans plus tard, le véhicule utilitaire Peugeot Partenaire passait également par l'électrique. En 2020, la gamme du constructeur socialien est électrifiée à hauteur de 50%, et en 2023, l'objectif est de 100%, autant dire demain. Après l'i208 et l'i2008, je vous présente aujourd'hui sur Test Cars la nouvelle Peugeot 3008 hybride 4. Cette version est équipée de 3 moteurs, à savoir un thermique de 200 chevaux, un autre électrique à l'avant de 80 kW, et également la même chose à l'arrière, pour une puissance totale de 300 chevaux. Ces moteurs électriques lui permettent de parcourir jusqu'à 59 km en tout électrique. On a pu la rouler notamment en montagne, mais aussi faire du hors-piste. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que le train arrière est multibras. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça lui apporte un meilleur confort, mais aussi un meilleur comportement routier. Concernant le fait qu'il soit un vrai 4x4, il faut savoir que c'est l'électronique qui va gérer ça, en sachant que ça fonctionne même lorsque la batterie électrique est déchargée. À l'achat ou à la location, vous aurez le choix entre une version 2 ou 4 roues motrices. À l'intérieur, on retrouve différents modes de conduite. L'électrique fonctionnant par défaut jusqu'à 135 km/h. Il y a également le mode hybride 4, sport et 4 roues motrices. Les temps de charge sont sensiblement identiques à ceux de la 508. Donc on est sur 7 heures avec une prise 8 ampères, 4 heures sur une prise renforcée 14 ampères et 2 heures seulement sur une wallbox monophasée de 32 ampères. Au niveau technologique, il existe 2 applications en lien avec les nouveaux véhicules de la gamme, My Peugeot et Free to Move Service. L'application My Peugeot permet de suivre l'évolution de la charge ou d'en programmer une différée. On peut aussi activer la clim à distance. Et Free to Move Service, eh bien, ça va vous permettre de planifier votre trajet et de voir quelles sont les bornes disponibles sur votre parcours, en sachant qu'elle en intègre actuellement plus de 140 000. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle déclinaison de la Peugeot 3008? Tout d'abord, sa vivacité. Vraiment, 300 chevaux, on les sent, ils sont bien là. Par contre, le freinage est peut-être un petit peu plus mou, on sent qu'il y a un surpoids par rapport à la version classique. Il faut juste s'y habituer, en sachant qu'il y a 2 niveaux aussi de freinage, ça permet aussi de préserver ses disques et ses plaquettes de frein sur le long terme, et de consommer moins. Enfin, ça pourrait être un frein pour certains, c'est le prix qui est de 53 800 €. Je crois qu'il y aura une version plus accessible à venir ces prochains mois, ces prochaines années. La vidéo se termine, j'espère que cet essai vous aura plu. Je tiens à remercier Aurélie et Martine, notamment de l'équipe presse Peugeot France, Vivian également pour son aide en vidéo, et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao !